Salut tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui je vais donc vous parler encore de l'iPhone 6C avec deux images. Ici on va se focaliser un peu plus sur certaines hypothèses, parce que pour l'instant il n'y a rien d'officiel sur ce nouveau smartphone qui normalement sortira cette année là. iPhone 6C, c'est pas une blague, parce que certaines personnes m'ont dit tout simplement ouais c'est pas possible et tout. Bah écoutez non, sachant qu'il y a pas mal de leaks, des trucs comme ça, des informations qui sortent jour en jour, et donc c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question et que ça peut être tout à fait possible, parce que je pense que ça peut répondre, on va dire, à un assez gros public, et en attendant on va dire vraiment l'iPhone 7 sans doute pour l'année prochaine, ou ça reste à voir encore de ce qu'ils vont proposer. Ici c'est plus puisqu'en fait, si vous voulez, les informations sont sorties il n'y a pas très longtemps au niveau de ces deux nouvelles images, et nous remettre en question, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur l'iPhone 6C, parce qu'en fait on a vraiment de grosses hésitations dans la taille de l'écran. Est-ce que finalement la taille de l'écran sera de 4 pouces ou de 5 pouces, sachant que l'iPhone 6 normalement c'est 5 pouces, voire peut-être un peu plus. Donc on se pose la question de, est-ce que l'iPhone 6C, donc en gros l'iPhone Color, aura cette possibilité là de finalement être aussi grand que les iPhone 6, ou aura cette petite particularité de ressembler, donc d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de dire ici, que ça sera un 4 pouces, donc à peu près comme l'iPhone 5C. Il y en a qui vont dire bah ouais, mais ça sert à quoi finalement d'avoir un iPhone 6C qui aura la même taille de l'écran, et bien d'un iPhone 5C. Très bonne question, à pas grand chose, à part que en termes de design, en termes aussi de caractéristiques, ça sera pas la même chose. Il sera bien évidemment plus puissant, et aussi il aura pas exactement la même ergonomie. En fait, il ressemblera pas exactement en fait à l'iPhone 5C. Moi, je serais plus du côté où finalement on va se retrouver avec un écran quand même assez grand, parce que je pense que si vous voulez avoir un écran un peu plus petit, bah vous prenez le 5, le 5S ou voire le 5C, et vous ne passez pas, on va dire, aux iPhones qui sont d'actualité bah aujourd'hui, comme l'iPhone 6, 6 Plus ou l'iPhone dans l'avenir, l'iPhone 6C. Qui sera à mon avis doté d'un écran de 5 pouces, donc un écran assez grand, c'est vrai, mais c'est un peu ce que aussi les gens recherchent, donc un écran assez fin et avec des meilleures caractéristiques, c'est à dire que voilà, il sera un peu plus puissant que l'iPhone 5C. À la base, moi je vous donne juste à peu près quand l'iPhone 5C est sorti, moi, enfin, même la plupart des personnes ont pensé un peu à un iPhone low cost, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est finalement un iPhone peu coûteux, peu cher à la production, et on s'est tous dit à peu près bah, que finalement l'iPhone 5C sera un téléphone peu cher, ce qui n'a pas du tout été le cas, et on a été un peu choqués, parce que vu qu'on s'est dit oui, la coque en plastique et tout, ok, bon bah ça va être sans doute un iPhone pas très cher pour, on va dire, viser un public peut-être qui ont un peu moins d'argent. Voilà, c'était vraiment, on s'est tous poser ces questions là et donner à peu près ces conclusions là, et finalement non. Donc c'est pour ça que je pense que, attention les gens, je mets en alerte quand même, que s'il y aura un iPhone 6C, et bah ça sera tout simplement que ça sera un smartphone quand même assez élevé au niveau du prix, et non peu coûteux normalement, parce que voilà. Bon, après il y a aussi une autre petite chose que je voulais vous parler. Il y a un abonné, il m'a mis un follower en fait, il m'a mis dans ma dernière vidéo sur l'iPhone 6C, assez intéressante, parce qu'il m'a parlé à propos des couleurs. Il m'a dit oui Christo, écoute, je pense que c'est tout à fait possible que cette année là si l'iPhone 6 sort en mode couleur, en mode color, eh bien qu'il y aura 6 couleurs différentes. C'est à dire que là actuellement sur l'iPhone 5C on retrouve le bleu, le rouge, le jaune, le blanc et le vert, et peut-être que, vu, bon c'est un petit jeu de chiffres, vu que c'est l'iPhone 6, peut-être se retrouver avec une sixième couleur, une sorte de couleur cachée. Ça reste à voir ça aussi, mais je pense que ça peut être aussi une petite bonne idée pour un peu, on va dire, rechanger un peu une sorte de, voilà, d'état d'esprit au niveau de la couleur et tout, voir finalement à pas une coque en plastique, mais finalement un peu modifiée, peut-être un peu plus jolie en termes de plastique, parce qu'ils arrivent quand même à faire des très belles coques, dont moi je préfère pas ces coques là, mais les coques un peu finalement, je sais pas, en fait, qui vont un peu plus briller et voilà, qui vont garder toujours cet aspect là, donc ça reste à voir. Et, puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci de mettre un petit j'aime à la 2, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle, de me suivre sur mon Snap personnel aussi, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.